Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo de ce 2 décembre. Aujourd'hui pour moi c'est mercredi, et si vous nous suivez sur Instagram vous le savez, le mercredi c'est story. Tous les mercredis je vous partage toute ma journée en story sur Insta. Du coup aujourd'hui je vais jongler entre les deux en essayant de ne pas en délaisser un au profit de l'autre. Et alors normalement le mercredi après-midi j'ai mes ateliers découverte de l'âne avec les enfants des écoles de Chantilly. Mais là c'est terminé pour l'hiver. On reprend ensuite en avril, mais pour la mauvaise saison on arrête vu que c'est une activité en extérieur et que ça devient pas drôle du tout pour les enfants avec la boue, la pluie, le vent, tout ça. Donc j'ai à nouveau mes mercredis après-midi de libre, ce qui est tout aussi chouette. Et du coup en général c'est les journées que je m'autorise à passer entièrement au pré. C'est ma petite journée poney dans la semaine. Dans un monde idéal aujourd'hui j'aurais aimé ce matin la faire des parages à mes deux filles. Et puis cet après-midi partir en balade ou faire une petite séance. Sauf que bah, ça va dépendre de la météo qui a pas l'air spécialement avec moi aujourd'hui. On va bien voir parce qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent mais en même temps je vois des trous de ciel bleu. Donc à mon avis ça va vraiment être qui tout double. Et donc si le temps le permet je vais stick to my programme. Et si la météo est vraiment trop dégueu, bah, je vais inverser. Je rebosserai sur mes fameuses photos aujourd'hui et je prendrai plutôt ma journée de demain pour m'occuper de mon troupeau s'il fait meilleur. Enfin voilà, le ciel va décider de si ma journée est indoor ou outdoor. Et quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, je vous emmène avec moi. Me revoilà au pré, quel vent mes aïeux, j'en ai les yeux qui pleurent. Bon, le temps ne se décide pas, c'est ultra mitigé, il y a des super belles éclaircies, mais juste après, le ciel nous tombe sur la tête. Du coup, j'ai coupé la poire en deux. J'ai travaillé la moitié de l'après-midi, et j'ai bien avancé d'ailleurs, je suis bien contente. Et je monte pour cette deuxième moitié d'après-midi, il me reste une heure et demie en gros avant l'heure de nourrir. J'hésite. J'aurais bien envie de partir en balade, mais en même temps vu les nuages qu'il y a là-bas. Et à la fois ça m'aurait fait plaisir parce que ce week-end on va pas du tout avoir le temps d'en profiter, de faire des balades parce qu'on a des concerts, vous verrez ça en temps voulu du coup. Je me dis j'ai peut-être paré au plus urgent et faire les parages justement pendant qu'il y a un rayon de soleil et au pire je pourrais même me mettre à l'abri ici s'il se met à pleuvoir. Oh je sais pas, devoir plaisir, non devoir bien sûr. Coucou, dernière petite update de la journée. J'ai donc paré Gribouille et ensuite j'avais plus tellement le temps de me lancer dans quoi que ce soit avec Good. Du coup on a juste fait une toute petite séance de ballon. C'est un ballon que j'ai acheté il y a plusieurs mois au final et je n'ai fait que quelques séances de désensibilisation et d'habituation. Mais il faudrait vraiment que je trouve le temps d'en faire plus parce que le but à terme c'est qu'elle joue avec, parce qu'elle est tellement joueuse et qu'elle est tout le temps en train de ramasser et de secouer tout ce qui traîne dans le pré, que je me dis que le ballon, le jour où elle l'aura compris que c'est pour jouer avec, elle va juste vivre sa meilleure vie. Là, c'était à peu près la troisième séance, je crois. Et donc, au clicker, j'ai validé le fait qu'elle commence à prendre la poignée dans la bouche. Après ça, j'ai été livrée en copeaux de bois. Je vous en reparlerai à l'occasion des copeaux, si vous voulez. Mais en gros, je les mets à des endroits stratégiques pour éviter la boue dans le pré. Après ça, j'ai nourri, je suis rentrée chez moi. Là, me voilà lavée. J'ai grignoté un petit truc et puis je repars. Parce que vous le savez, depuis le calendrier de l'Advent de l'année dernière, Victoire et moi, on chante, on fait du chant lyrique. Et le mercredi soir, c'est le soir des répètes. En plus, on est en concert samedi dimanche donc c'est une grosse répète. Je vais pas tellement pouvoir vous emmener avec moi et je vais rentrer tard. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous fais tout plein de gros bisous. Merci d'avoir passé cette journée avec moi et je vous dis à demain. Mmh.